L'action de l'ADEME pour les territoires de montagne était extrêmement importante. C'est une association qui est très active et qui prend vraiment à cœur l'ensemble des thématiques qui remontent du territoire. Je crois que c'est ce qui est important. Personnellement, je tire un bilan positif puisque sur les trois tables rondes qui se sont passées, celle qui a été pour moi la plus intéressante, c'est celle d'aujourd'hui, donc celle sur le pastoralisme. Pour moi, ça a été très enrichissant puisque ça a été ouvert au-delà des élus municipaux, du bloc communal, du bloc intercommunal. Il y a eu la profession qui a été invitée. Et nous avons eu des débats très enrichissants qui nous ont amenés à une motion qui, j'espère, sera suivie des faits. L'ADEME, c'est une association dynamique. C'est notre famille. On a tous une thématique, c'est la montagne. Ce que je peux vous dire, c'est que notre prochain congrès aura lieu en 2020, les 15 et 16 octobre, et que c'est un territoire à forte personnalité, à nouveau, qui sera notre hôte d'accueil, la Corse, à Corté.